monde, bienvenue sur Palmis ak Mapou Lakay. Un plaisir pour nous retrouver une autre fois encore. En fait, nouvelle à qui ça lié, c'est que nous sur route pour jouer un scénario qui a fait pour première fois dans l'histoire pays ça, côté que au capable gagner un président qui a décidé justement abandonner Kousla pour un second terme. En fait, qui ça a passé? Côté nouvelle ça sorti. Eh bien, gain ça d'après les Group Insider, des séries de monde en dedans parti républicain, monde qui travaille avec Donald Trump, et il fait déclaration ça, c'est sous Fox News. Il a expliqué que le président Donald Trump très fragile dans moment là, psychologique, vous comprenez, il très fragile, il connaît chiffre et il dit qu'il y a une éventualité, nous bien dit éventualité que le président justement t'a drop out pour t'a abandonné course électorale là. Si sondage yo pas gagne aucun changement, parce que attendez bien, ou bien dit si pas gagne aucun changement, si monsieur pas fait aucun rebond, parce que dans moment li là c'est une situation catastrophique. Donc vous veut connait que Donald Trump capable blessé. Si Donald Trump tout bon vrai croit que pas gagne aucun chance pour le gagner, parce que c'est scénario ça qu'a décrit là. Donc si monsieur ouais tout bon vrai pas gagne chance pour le gagner, donc monsieur t'a préféré au lieu pour on ça m'a relé une défaite cuisante, connaissant l'orgueil de l'homme, monsieur qu'a tout décidé by vague de préférence. En fait fond d'où bien nouvelle ça li sorti Jean Dou là dans outlet préféré Donald Trump qui c'est Fox News, et yo cité un ensemble de Got Insider, des séries de républicains qui dans le système là qui travaille avec, et même yo très inquiet justement à propos de réélection de Donald Trump. Les a constaté un bien chiffre sondage Jean Royer là. OK, qui montre que monsieur est dans situation désastreuse et situation a empiré chaque jour plus, notamment avec monsieur Paka comme ça dit ça, et pas une stratège qui capable corriger monsieur si on t'a dit le pas fait tel bagage. L'a continuer tweet et on le dit monsieur dans opération Jean dit là. Une opération de autodestruction. Chaque tweet, chaque révélation en bagaille, yo pi mal. Nous connaissons hier soir, ça le débat. C'est un tweet que tout le monde dit white power, white power. Mais maintenant, ça tombe tout depuis le week-end. Nous avons causé. C'est causé la Russie qui a payé pour tête bail ça, semaine ça là. Il est en question de parti politique. Là, il est en question de parti. Il est en question de républicain démocrate. Même pour la honte, quel que soit le républicain là, il n'a pas accepté causer ça. Pour que gagne un pays qui a payé sous tête soldat yo, et puis pour n'ap danser collé avec yo. Donc c'est des dossiers sous dossiers. C'est ça vous comprendre, c'est que je dans moment n'a pas la voilà Donald Trump derrière ça les swing state. Vous comprendre des swing state yo nous connaît yo, c'est des ça nous relé yo relé encore battleground state. C'est des state qui très serré. Essayez toujours décider qui est capable gain, parce que même j'ai pas grand qu'un républicain qui ca à le compter sous California, pas grand qu'un démocrate qui peut le compter sous Alabama tout. Parce que ça n'a pas c'est comme là, gain des states qui foncièrement, mais c'est battleground state, c'est toujours fait la différence. Et monsieur derrière dans toute battleground state, et ça qui dit c'est que gain des states qui tout le monde te considéré ça nous est les stronghold démocrates. Nous voulons parler de Texas, Arizona. Eh bien, monsieur DL là dans tout. Hein? L'idée là dans maintenant, républicain ça au cap parler, mais ça au dit. Yo dit li gain temps toujours. Li bonnet toujours. Même ça au dit. Avait dit yo gain 4 mois. Yo dit li bonnet toujours, mais yo dit bien. Yo même d'après Jean Yoé bagarre là, Jean Yoé et comportement de Donald Trump, si sondage yo continue pour aller de mal en pire, et bien scénario ça, scénario côté que président actuel là, pour que lui drop out, pour qu'il retire Koli, et bien c'est un scénario qui est possible. Gay Charles Gaspino, auteur de Fox News Report, lui-même dit, il parlait avec plusieurs éléments clés, des grands players dans le parti républicain sous le développement, sous story ça.
Et gen yon nadan yo ki di, monsieur, kon sa k pase? Ave di moun ki bako président. Président très fragile nan moman la. Président très fragile, dit sur le plan psychologique, il est de très mauvaise humeur. Vous comprenez, il pas sensible dans son lié lui-même. Et c'est surtout parce que il constate, il est au courant, chance pour le gagner, il y a un terme encore, chaque jour plus, chance ça a effondré, a vaporisé, a disparaître. Il y a un autre sous encore, toujours dans le Parti républicain, qui t'a cité, qui dit que possibilité pour ta gagner Donald Trump by vague. Li dit le temps de bagay sa parler. Mais li même li croit que monsieur capable fait ça vrai si tout bon vrai monsieur rend ni compte à la dernière minute pas gagne aucune chance pour le gagner pas attendre que puisque monsieur tout grand comportement winner dit gagne si tout bon vrai li ou pas gagne aucune chance pour le gagner monsieur ka choisi option ça. Parce que monsieur pas vle vivre l'idée côté que vous l'avez dit et le perdit. Et Donald Trump, bon côté parle tout, est toujours à parler de polio qui montre que le derrière. Maintenant, donc monsieur justement, il est toujours à parler de des séries de polio et il était confié, tout que à bouche parle. Que effectivement que nous capables arriver dans scénario Donald Trump à bouche parler et qu'effectivement que Joe Biden capable président Donald Trump justement t'es confirmé ça donc les spéculations ça au bagage ça au cap parler justement indiqué yo montre qui gens que au sein de famille de parti politique républicain hein, eh bien, il y a possibilité quand il a parlé de perte de Trump là, c'est un bagage qui réel et vrai problème moun sa yo présentement, c'est pas nécessairement Donald Trump qui a perdu, c'est que yo risqué justement perdu tous les deux chambres pour pas faire moun même. C'est ça veut dire que yo risqué perdu à la fois la présidence et d'ailleurs nous connaît que pas gen moyen pour yon gen chambre de député ya. Mais pour yon perdre le Sénat. Donc ce scénario ça. Qui devant yon. Maintenant. Ça pour nous comprendre. Dans l'histoire ça. C'est que. C'est pas seulement Battleground State yo. En fait yon bon lot state. Différentio, c'est la différence de 12 points. Pas bien que là nous parlons de manche, là fait sondage. Par exemple, là on gagne un point, deux points. Donc il arrive à un certain moment de gagner 3 points. Ça on a une marge d'erreur parce que ça n'est les sondages. Bon marge d'erreur. Et dit si on gagne un point, deux points. Marge d'erreur, ça arrive là on fait l'élection tout bon vrai. Et puis son marge d'erreur là, l'autre monde n'a gagné. OK? Mais elle a parlé de 13 points, 12 points. C'est catastrophique, 10 points. C'est vraiment catastrophique. Là, on comprend, là, pour nous, c'était pour Texas. Texas, oui. Tout le monde connaît Texas. C'est un state républicain. Pour que, eh bien, yo montre que Biden, devant, bien que très serré à un point, parce que c'est pas un state démocratique, nous bien dit, son state républicain. Donc là, on marche d'erreur. On a parlé de state de Texas, côté que Biden gagne un point reste. Donc, il n'est pas supposé ça. Ou pas supposé dans une situation de ce genre. Maintenant, bien entendu, équipe campagne Trump, bien entendu, et pour sauver la face, il fait comprendre que et média yo mais en fait média yo wrong et que président justement a fini par gagner. On a parlé de équipe de campagne, l'équipe de campagne a pas ta dit l'autre bagaille que ça. OK, et gagne un mémo
équipe Kampala obligé faire sortir dimanche. Équipe Kampala bien entendu, hein, nous on nous qui est qui dit que et yo même y a travail. Donc Kozé Kap dit que chance et Donald Trump là en trouble mais au même au sein de Kampala, yo même yo a travail. OK? Donc yo même y a travail que yo motivé. Bon. En un clair pas battre nous menti, son équipe de campagne, yo pas ta capable dit l'autre bagaille bien entendu. Sous ta équipe de campagne et a parlé de ou même qu'a perdu bon vraiment la vrai on met et quel que soit agence ça pas jamais fait vous comprenez même l'a perdu pour équipe de campagne ou by vague vous comprenez tout à l'heure ça t'est arrivé on met qu'on est à dernière limite donc voilà guys mes scénarios que nous trouvons là et côté que effectivement nous capables pour la première fois dans l'histoire des États-Unis et abouti à une idée côté que candidat et président actuel là by vague nous bien dit nous va suivre dans les jours à venir tout dépend de qui direction sondage ça va prendre donc si on continue à effondrer et tenant compte de mauvaises nouvelles qui sorti on capable jouer un scénario ça donc voilà guys restez branchés restez connectés les toutes dernières informations à chaud n'a pas pour vous bye bye tout le monde.